set and the show is just the visual test. So really, don't panic if you don't speak French. On va commencer avec quelques images du film, Armageddon, histoire de vous rappeler un petit peu ce qui vous attend. Ça explose dans tous les sens, ça c'est du Michael Bay tout craché. En tout cas, ça vous plonge vraiment dans l'ambiance de votre tournage, les gars, parce qu'on va considérer maintenant que vous êtes 180 acteurs, et c'est vous tout à l'heure qui allez jouer une nouvelle séquence du film Arma. Ouais, les gars, vous êtes bien les acteurs et pas le casting, en fait, moi, votre trombine. Ok, ça promet, pas de panique, Loïs. En fait, moi, je suis chargé de faire de chacun d'entre vous de véritables stars. Bon, déjà, on parle d'effets spéciaux au Studio 7, et vous allez vous amuser, hein, parce que c'est un morceau de choix qu'on vous a réservé. C'est une scène très spéciale qui vous attend ensuite sur le plateau de tournage. D'ailleurs, c'est là-bas, sur le plateau des effets spéciaux, que le cinéma réalise depuis toujours, ses plus beaux tours de magie, tout simplement. Alors, on est capable, en effet, grâce aux effets spéciaux, et par absolument tous les rêves les plus fous des cinéastes, mais ça, on va en parler dans le détail dans 2-3 minutes. Avant ça, souvenez-vous, en guise d'introduction, que cette aventure cinématographique, ça a débuté ici en France, c'était en 1902 pour être précis, quand un jeune réalisateur qui était aussi magicien, il s'appelait Georges Méliès. Et lui, Georges, il a inventé les tout premiers effets spéciaux, on découvre ça en images. Gave us a mean dune buggy to drive around in. In the end,
We were able to blow that asteroid off course without ever leaving the safety of the Walt Disney Studios in California. Of course, it's not always so easy. Sometimes actors have to be right in the middle of the action, and on a movie like Armageddon, that can be very exciting, in a terrifying kind of way. But you don't have to take my word for it. They're ready for you on the set. I think I'll just sit this one out. But you go on, there's nothing to worry about, really. There's nothing to worry about, right, fellas? Bien, on va aller sur le plateau d'ici 3 minutes. Avant ça, les gars, vous allez vous mettre au boulot. Hein. Je vous ai dit que vous étiez des acteurs, et donc c'est vous qui allez travailler sur la scène 85 à l'attaque du météore. Alors, évidemment, ça promet de la pyrotechnie en masse sur le plateau, à cause de Big Boom Bada Boom, un gros morceau de polystyrène qui apparaît sur cette vignette du storyboard. Ça, c'est un acteur très particulier, c'est vous qui allez lui donner la réplique. Alors, laisse-moi vous le présenter, le météore. Cache pas, ça craint, hein. Ce truc fonce droit sur la Terre. Quant à vous, peut-être que vous n'aurez rien à craindre parce que vous, les acteurs, vous ne serez plus sur Terre. Donc vous tous, vous allez incarner le rôle des membres de l'équipage de cette station orbitale russe et votre séquence, on va la tourner dedans, dans le centre de contrôle que voici. Alors dans ce décor, vous entendrez deux personnages importants. La première, elle est mécanique féminine. En fait, c'est l'ordinateur central, une intelligence artificielle qui va tout gérer dans la station. Tiens, ordinateur, apparaît, ce sera plus simple. Fais-nous un scan de nos acteurs, s'il te plaît. Système biologique normaux. Ok, parfait, vous êtes normaux les gars, merci ordinateur. De rien. Ce truc. On la voit ensuite qui va communiquer avec elle, il a l'accent russe, ce sera le colonel Andropov. Good morning, comrade. Good morning, colonel, how are you today? Pretty bad. Marquez, ça fait un moment qu'il plane dans l'espace, lui. Alors pour vous situer dans l'action, vous en fait les gars, ben, vous êtes donc des cosmonautes russes, vous êtes l'équipage de la station orbitale avec le colonel, vous êtes à bord, vous gravitez autour de la Terre, ben, en gros c'est un jour comme tous les jours, quand soudain, merci ordinateur, elle a repéré cette masse de polystyrène qu'on a fabriquée ici, ce truc gigantesque, encore une fois, ça fonce droit sur votre planète, et vous les gogos, pas de bol, hein, vous êtes coincés juste ici, sur la trajectoire du gros caillou. Là, vous allez me dire, la situation commence à sentir le roussi, et comme vous êtes des comédiens, j'ai une question importante. Quelle est votre intention de jeu? Est-ce que vous allez être plutôt soucieux? Est-ce que vous allez faire ça plutôt à la Superman pour exploser le météore avant qu'il ne vous explose? Non, les gars, c'est un magasin, il faut jouer la peur. Lumière, s'il vous plaît, montrez-moi la peur. Non, ça va pas, c'est la tétanie. Non, il va falloir faire du bruit, vous réveiller, en plus, pas d'excuses, on a un texte, c'est international, tout le monde peut le faire, à vous. Bah, c'est pas ça la peur, hey, les gars, c'est Armageddon, ici c'est la fin du monde. Bon, vous savez quoi, on va prendre encore une minute, du coup on va regarder encore une fois votre séquence, histoire de comprendre ce qui se passe. Vous allez chercher dans ces images un peu d'inspiration, vous allez subir ça, hein. Quand je dis go, vous y allez, vous êtes prêts? Allez, go. Merci, 4 images, arrêtez la vidéo, on a réussi, on peut s'arrêter là. Parfait, bon, voilà l'histoire. En gros, vous êtes invité à ce barbecue intergalactique, vous êtes les prochaines de la situation, on va falloir jouer avec ça. Hein. Par contre, il y a un détail qui n'est pas encore acquis, et ben, c'est que c'est pas de la radio, les gars, c'est du cinéma, c'est visuel. Il va falloir que sur les écrans, dans les salles obscures, vous voyez, je vous la peur panique avec le corps aussi, c'est important. C'est quoi le body language? C'est quoi le réflexe physique face à une explosion qui surprend? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, on sursaute, on se protège, on prend les enfants, on les met en sécurité, on se met en sécurité avec un enfant, enfin, on a un réflexe de dingo parce que c'est la panique à bord, les gars. Bon, on va aller jouer sur le plateau de tournage, mais avant ça, on se met une dernière répète, on va chauffer un peu. Je voudrais voir la panique totale dans la salle, vous mettez le dawa à 3. Vous êtes prêts? À 3. 1, 2, 3! Ok, là, il y a du beau soulis de la Liv Tyler, vous êtes les stars d'Armageddon, c'est sûr. En revanche, attention, sur le plateau de tournage, il y a la pyrotechnie des flammes, et c'est pourquoi vous n'assoirez pas d'enfants sur vos épaules, on veut pas de torches humaines. Attention, tous les acteurs sur le plateau. Eh ben, on va y aller, on est synchro, vous allez prendre ces portes comme un sourire, le couloir sur la gauche, et quoi qu'il se passe dans l'espace, on panique.